Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War, dans lequel nous incarnons la Confédération d'Asotras, précédemment le royaume d'Odricia, le royaume des Odris. Pourquoi? Ah ok. Oui. Ok, je suis en train d'essayer de revoir un peu où est-ce que j'en étais. On va se débarrasser tranquillou des cimbres, du moins on a comme projet de débarrasser des cimbres. Qui traîne un peu trop dans le coin à mon goût. Et waouh. Ah, les Isen, ils ont eu quelques petits soucis là, je crois. Hop. Ouais, bon, ils avancent avec des petites troupes là, mais bon. Je vois pas qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire là. Je vois pas à quoi ça les avancerait de faire ça. On va réparer ce bazar. Je sais pas ce qu'il y avait, mais je sais que. Ouais, il me semble. Que je n'ai plus besoin de raser ou de piller de ville maintenant. Je peux les prendre naturel, j'ai envie de dire. Je peux les prendre nature, j'allais dire, comme un yaourt. Non. Simplement, j'ai atteint le quota demandé pour les victoires, pour la victoire militaire. Que je ne ferai certainement pas parce que, voilà, ils sont un peu loin de chez moi, quoi. Un peu. Ouais, non, c'est un peu embêtant. Beaucoup. Alors, les Brindisium, Pergamon, Néapolis, ouais, Azarverne. Oh, bah, Rome. Ah si, oui, c'est vrai, Rome. Ah, Rome, c'est plus que Caralis. Ah bah, super. Carthago est au moins des rebelles puniques. Ouais, super aussi. Ouais, non. En vrai, sur le papier, c'est pas intéressant. Mais ils sont pas en paix avec une seule faction. Ça va pas le faire. Oh bah, et les Flevum, ils meurent de faim en plus. Les Flevum, oh les Isiennes. On va aller sur de l'industrie. Red, ok. Hop, on pourra se débarrasser des cimbres normalement. Ils vont loin. Hein. La vache. J'ai tant de pertes que ça. Sérieux? On va dire oui, je vais perdre des... Ok, je vais faire les réparations nécessaires parce que là on a perdu beaucoup de troupes pour rien, je trouve. Je suis pas trop fan. Ouais, ça c'est bien. Oui, ici c'est bon. Hop, un peu d'ordre public, et là on va aller chercher ces troupes. Là il n'y a pas d'autre choix que de se barrer quoi. Non. Pardon? Bah mes renforts les gars? Au bout d'un moment quoi, je suis là quoi. Ouais, ah oui, je préfère. Déjà je t'ai donné perdre en plus en résolution auto. Je veux bien que ça soit pas des troupes. Extrêmement forte, mais quand même. C'est pas des troupes d'élite. 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 D'élite qui a quand même en face. Hein. Pas déconner. Flevum. Ah oui, il y a le roi Flevum, mais qui meurt de faim. Donc, on va le mettre là pour la reconstitution. Attention, juste en mer, vite fait, ok. Il est obligé de traverser. C'est bien ça. J'ai pas la portée là. Dommage. On va faire une embuscade.
Ah, j'ai plus d'argent. Oui, alors. C'est pas comme ça que je vais renflouer mes caisses. Hein. Bravo, Rome, mais. Qu'est-ce pourquoi? Ah, ouais, d'accord, c'est génial. Ouais, de vrai. Ça fait beaucoup de pertes pour pas grand-chose. Hein. Bon, résolution auto, parce que j'ai la flemme. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il a tenté. Je vais la relâcher, ça fera de. De l'or. Ah ouais, d'accord, oui, c'est parce qu'il est venu. D'Italie et de. Comment ça s'appelle? Vesontio? De Vesontio de Massilia? Je sais plus si c'est le nom, si c'est vraiment Vesontio au sud de Genua. J'ai un petit trou de mémoire. Velatri. Velatri. C'est où Vesontio? J'étais sorti un nom de ville, je sais même pas. Je sais même pas où c'est. C'est Ah merde. Velatri, Vesontio? Bah Bon. Ouais, peut-être à un moment ça s'appelle un truc qui s'appelle Vesontio. Je ne sais pas. Bon, ici. Coucou les pillards. Voilà. Merci de bien vouloir dégager de chez moi. Bon, ça fuit, hein, comme d'hab. C'est des pillards fuyards, ça rime, hein. Ça, c'est très connu. Ah, il y a quelques troupes quand même hein, dans le coin. On va améliorer. Je vais chercher eux. Voilà. Ça ne nous embêtera plus. Oh, vraiment, faut que j'aille aux marches forcées. Et ils sont. Oh, c'est pas très très grave ça. On va aller prendre Flevum et ensuite on avancera chez nos voisins. Pourquoi là j'ai pas toute ma portée là? Sûrement un agent. Combien de tours? 7? 8? 8 tours. Ça fait beaucoup. Oups. Thracia qui me rapporte pas mal. Je vais regarder si j'ai pas de bâtiment. Ça, par exemple. Ok, ça rapporte un peu de thune. De l'ambre, ça rapporte toujours de la thune. Oh, et quelques agents. Faudra que j'aille sur les Pictons aussi. Et là, j'ai Apollonia qui est sans défense, donc je peux pas non plus. Elle est de suite. Vesontio, c'est où ça?
ne sais pas. Il meurt plus de la faim là. C'est un peu plus embêtant. On se déplace discrètement. Mon travail est terminé pour l'instant. Namet, c'est... Oh. Bah ils sont où? Ah ils sont là, ok. Un niveau, bien joué les gars. Là ils ont pas osé attaquer, ce qui est compréhensible. J'aurais fait plus mal qu'autre chose. Il faut que je descende sur Rome hein. Rome c'est là, c'est Apollonia quoi. Là en plus j'ai fait j'ai conquis beaucoup et j'ai dû avoir des technologies qui ont fait que j'ai beaucoup de constructions à faire. Je suis pas fan d'attaquer maintenant quoi. Ils ont quelques troupes en plus. Et à la rigueur j'avais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre ces troupes là à Apollonia, ça va me prendre 1, 2, 3, 4. 3-4 tours. Ça va être long, mais. C'est ce qu'il faut. Hein. Je vais les faire descendre. Direction. Direction Solifordum. Les Icènes. Tout ça pour se faire fumer un agent, quoi. Non. Non. Parce que ça coûte de l'argent. C'est le principe. Oh. On rebat. Ça coûte de l'argent, quoi. Ouais, il est mode agressif. Ah oui, on peut occuper maintenant, c'est vrai. Hop. Tacticien. Hop, hop. Et... non, c'est pas ça, c'est... Merde. Bon, bizarre. C'est pas grave. Allez, direction Bagacom. Et direction Réverorum. Ah, les Cécanes, vous allez pas m'embêter. C'est bon. Voilà. On a réparation, encore 3 tours. Oh, bah ça va vite, hein. Je suis prête. Et on a cette troupe-là qui est... On va vers Apollonia. Grâce à cette troupe, ça devrait être bon. Ennemi blessé, putain, ils sont vraiment pas doués. Hein. Action détruite, c'est canne. Ah! Mais oui, ça veut dire que les Namnets, ils sont.
Sans me passer ici. Ah bon, je peux pas faire de... Oui, bon, tant qu'à faire. Voilà. Donc là, moi, je vais m'avancer. Comme si de rien n'était. Ah, même vu, hein. Tu as vu quelque chose? Non. Rien du tout. Rien vu, rien vu. Charpentier. Dans un pôle de recrutement ici? Je crois pas, hein. Si j'ai pas de pôle de recrutement, ça sert à rien à faire. Ah, j'ai plus de thunes. Hop là, on va descendre à Uberzis. Ah, on va continuer tranquillou. La conquête de la Gaule par... C'est une bonne question. Je ne sais même pas comment je m'appelle. Donc comment mon personnage principal s'appelle. Là, on va redonner un second souffle à Rome. Faudrait pas qu'il s'étende trop non plus, j'ai des territoires à prendre. Faudrait quand même con qu'il prenne tellement de souffle que... Pergamon... Ah... Ça fait chier ça. J'ai pas le choix. Ouais, ça c'est chiant. Parce que Pergamon, ils ont beaucoup de flottes qui se baladent dans, le, dans les océans. Ah ouais, en plus c'est genre Pergamon qui a ta crode... Issen Namnet, ouais. Ouais, d'accord, je vois ce qu'ils font. Alors. Bon, les pictons. Bon, on commence à avoir le problème. Là, il y a plein de petites troupes là qui viennent nous enquiquiner. Ça, c'est pas trop un souci. Ça, on a déjà un autre. On va améliorer. Et je sais pas si je peux... pas, je peux lever une flotte à rigueur que je vais améliorer. Je vais recruter quelques troupes navales et là bon bah ils ont décidé de m'enquiquiner donc je vais aller simplement m'occuper de ces villes les villes pas trop loin quoi. Hop, voilà, donc déjà on a pillé Piscinus. J'irai sur Pergamon directement. Qui, je pense, doit être assez blindé de thunes. Ah, je voulais aller là, c'est pas cool. Arrêtez dans mon élan, quoi. Bon, maison de Tio. Ils sont en guerre qui s'aiment donc. Hop, je vais pas faire déborder Rhodes qui est déjà un peu en galère vu que c'est une cité toute seule là, les pauvres. Je vais pas les enquiquiner plus que ça. Hop, direction Coria. Putain, on s'en fout. Ça, ça tombe. On occupe. Oh, j'ai gagné en Imperium. Ah, c'est bien, je vais pouvoir recruter de nouvelles troupes. Ça, non. Ça, oui. Ça, non. Pourquoi pas. Hop. Ça. Non. Ah, quoique, il est où mon le recrutement là? Petit truc à deux là, c'est sympa pour recruter, j'aime bien. Après, il n'y a pas grand chose à... Non, non, non. On le fera plus. On fera un autre endroit, un peu plus long. Ok, ok. Non, ça m'intéresse
pas. C'est bien, oui, on peut mettre ça. Ou ça, oui, ça c'est bien. Allez. Alors, faisons un petit tour. Ok, ça monte là-dessus. De nourriture. On va pas dire non. La nourriture, des revenus. Alors, là on a un petit souci par contre. On a eux comme souci. On a déjà fait notre mouvement pour ce tour et là on peut recruter. On peut recruter. Enfin, pas trop non plus. Il s'appelle Rice Dos. On va voir ce que ça donne. Pergamon, là, qui a voulu jouer. Traité de paix, non. Non, on va conquérir l'ensemble de la Britannia. J'ai un doute d'un coup. Est-ce que Pergamon il serait pas un petit peu un petit peu par là? Non. Ça me va. Hop, bon bah on se rend à Pergamon. Voilà, contre Pergamon, il faut se rendre à Pergamon. Donc là je vais bien piller Pergamon. Et on va se rendre à Éphèse, qu'on va très certainement libérer. Là, ils peuvent pas faire grand chose. Tiens, d'ailleurs. Oh, j'ai cru que j'ai perdu. Oh, j'ai quand même perdu un navire entier. Un navire pour même pas la moitié d'un navire. C'est pas très rentable. C'est pas une victoire, ça. Une victoire parce qu'ils ont fui, mais c'est tout. Hein. Ils ont de la bouffe au moins. Ils sont pas très très nombreux. Ils pourraient piller des territoires. Pas très intéressant de défendre ici en vrai. Là, c'est que des petites armées. Ouais, moi j'ai rien dit. Je vais recruter là. Je me suis trompé de troupe. Deux choses qui arrivent. Ok. Je vais aller prendre des Mentosena. Je vais faire un siège à mes Mentosena. Là, j'aime mon Asenabom. Je vais prendre tout le haut. Je vais couper. Je vais aller chez les Issen. Oh, les Issen qui ont tout pris. Peut-être pas ça, mais alors là, le reste. Ils se sont mis bien, les saligots. Ok, là je vais aller chercher eux. Avec son magacom. Ça m'arrange pas là, ce qu'ils font tout ça. Là, le coup de Pergamon m'arrange pas du tout, du tout. Pour être honnête. Oui, bon, alors là. Vous pouvez venir à 50, il n'y aura pas de problème. Hein. Là, je vous arrêterai. Hein. Vous aurez beau tenter, tenter, retenter. Je la joue en manuel, je vous arrêterai avec peu de pertes. Hein. C'est la dure loi. La dure loi chez nous. Non. Ok.
Là, on sait qu'ils vont vouloir aller à Larissa. Ils ont fait marche arrière rapido, mais ça servira à rien, quitte à avoir des grosses pertes. Je vais libérer ici. Alors déjà, je vais piller parce que, mine de rien, ça m'a fait de la perte, leur connerie. Et je libère, bon après ça reste des petites unités. Donc là, j'ai libéré les Sardes. Et je vais raser encore Pergamon. Et là, on va se mettre en marche forcée direction Nicomédia. Voilà. Donc là, je libère les Sardes. Donc là, je lui bloque en fait l'accès à la mer Égée et à la mer Caspienne. Si je me trompe pas. Et là, s'il veut y aller, en fait, enfin, il y a la mer Caspienne ici, mais sinon, il est obligé d'aller à la mer Phénicienne, qui est loin. Oh oui, par contre, oh cher. Alors, oh oui, mais oh cher. Oh. On va plutôt faire ça. Alors, ici j'en étais. Oui, c'est vrai. Bonjour à vous les gars. Alors, vous êtes bien entraînés. Ça tombe bien. Moi pas. Voilà, on va prendre Amnetom et on pourra terminer tranquillou avec. Avec embuscade, on a quelques pertes, mais attends quoi? Ok, j'ai pas trop coffré. J'arrivais pas à le prendre le tour d'avant. Bon, bah, je sais pas. Ça, je changerai en ça et ça, ça m'intéresse pas. Bon, je sais pas comment ils ont fait. Ils ont fait pour passer. Mais c'est pas bien grave. Là, je recruterai les tours d'après. Autant que je libère les Sardes, moi je suis bien. Là, ça me met dans la merde. Dans la mouise, pardon. Voilà, vous avez compris. Là, faut que ça recrute. 3 tours, ok. Bon, ils ont décidé de venir, je sais pas. Ouais, on va les terminer tranquillou, on va les libérer, ça nous fera du pognon. Je vais pas dire non. Ça hein. L'en fout, refuserait une offre aussi alléchante. Eux, je vais les faire revenir. Je sais pas encore où, mais par là-bas. Hop, hop, voilà. Là, on est pas mal. Le monde qui se rend compte de sa connerie, mais il est un peu trop tard. J'ai pas beaucoup de troupes chez moi en Grèce, mais ça l'empêche quand même de débarquer comme un sauvage. Oula. Ouais, bah j'ai bien fait de les faire venir eux. Il y a du monde. Il n'est pas encore à portée, mais bientôt. Ok.
Ah, j'utilise la moitié de mes déplacements là, juste pour aller là. C'est long. Ah bah c'est parfait. Ça pille. On peut recruter de la cavalerie. Des lanciers, enfin des unités à distance montées. Pareil, ça se refuse pas. Genre d'offre. Voilà, on va terminer le tour et puis bah c'est ici que. Donc on va se laisser pour aujourd'hui. Oups, pardon. Tiens, Carthage qui a repris des territoires. Ah non, non, c'était déjà le cas. Oh, tant pour nous. Eh ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. Allez, Pergamon, montre-moi que tu ne fais rien. Voilà. Et je vous propose, avec grand plaisir, de se retrouver pour le prochain épisode. Je vous dis à la prochaine. C'était Tiob.